vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de l'aventure à deux. Oui, bonjour. Je m'appelle Anna. Mais ce n'est pas à deux. C'est à trois. Ce n'est pas à deux, c'est à trois. Donc c'est la saison 2 de l'aventure à deux, donc à trois. Voilà, comme c'était. L'aventure à deux qu'on n'a pas fini, Fluffy. Oui, c'est un détail. C'est un détail, certes. Mais vu que vous l'aviez beaucoup demandé, etc., on s'est dit qu'on allait directement passer à la saison 2, voilà, histoire de mettre le thème nature le plus loin possible de nous. Ouais, vous avez tout compris. Voilà, donc on finira cette ville, mais pas pour tout de suite. Là, on se retrouve pour l'aventure à 3, du coup, avec Anna Gaming, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Bien. Et on se rajoute avec Pandinus. Voilà, voilà. Pandinus. Donc là, on se retrouve pour l'épisode basique où on crée notre jolie ville, notre machin, notre chouette, où on va galérer à trouver une carte, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit à faire de reset. C'est ça. C'est. Voilà, oh, donc vous êtes obligé de choisir une des trois cartes que vous avez. C'est mon pire cauchemar. Dans vos choix. Voilà. Mais on se retrouve pas pour une aventure à deux basiques, on se retrouve pour une aventure à deux défis d'été. Voilà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi, moi j'avais fait le défi de l'hiver, hein, sur ma chaîne. Hein. Vous pouvez avancer et faire le nom de votre ville pendant ce temps-là. Hein. Ah, ok. Ouais, heureusement. Ah, mais vous étiez en train de m'attendre, sérieux? Mais attendez! Bah ouais, je crois que on est polis, nous. Mais non. Alors du coup... Anna, elle nous embête d'avoir bien fait. Ouais, grave. Pour ceux qui ont suivi le défi de l'hiver, il y avait un temps imparti, donc là c'est pareil, il va y avoir un temps imparti pour faire cette ville. Elles ne sont pas au courant des règles, elles vont les apprendre en même temps que vous. Voilà. Et ouais, malheureusement. Donc qui veut dire défi de l'été veut dire les dates de l'été. Donc vu que nous avons commencé 2 jours après l'arrivée de l'été, eh bien nous ferons du coup du 23 juin au 24 septembre au lieu du 22. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais... ce n'est pas un défi d'été où le but va être d'avoir fini notre ville le 24 septembre. C'est-à-dire que... Donc moi, si c'est juste ce truc que j'allais dire, c'est que ma ville s'appelle Wavy. Voilà. Merci pour Dinouz. Voilà. Non, rien. Donc c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez... comment vous expliquer ça? Le but ne va pas être d'avoir fini notre ville au 24 septembre, on la continuera au-delà pour pouvoir la peaufiner, etc., etc., si jamais c'est pas fini. Mais le but, c'est que c'est un rush. Donc la personne qui aura la ville la plus avancée de nous trois aura gagné. À quoi? Voilà, elle n'était pas au courant. Et pour ceci, on a le droit à 3 jokers. Ouais, c'est ce qu'elle a encore à dire. Dans cette aventure. Hein. En fait, entre nous, on sait que c'est elle qui va gagner d'avance. Hein. Ah oui, grand. Oh non. On a J'aime tellement pas assez elle que c'est sûr qu'elle va gagner d'avance. Vas-y, toi. On a dit. Ah, je gagne déjà avec les cartes. Et on a le droit à 3 jokers chacune. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'aide à un ami. Coucou qui veut gagner des millions. Je rigole. Donc l'aide à un ami, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez dire à une personne de vos amis de venir vous aider à faire votre ville pendant l'épisode. Cool. À tout moment... Oh, ça c'est cool. À tout moment, le deuxième joker, c'est l'aide au public. Dis-nous, tu viens chez moi et moi je viens chez toi. Et le deuxième joker, c'est l'aide au public. Donc c'est-à-dire, vous avez le droit de demander à un abonné de venir vous aider dans votre ville. C'est pour ça, question pour un je sais pas quoi là. Bah oui, non, mais ça, c'est juste millions. Parce que en fait, je savais pas comment les appeler, alors du coup, j'ai fait vas-y, c'est bien. On prend les jokers de qui veut gagner des millions, c'est très bien, c'est parfait. Et du coup, pour ma ville, en fait, je sais pas si je vais l'appeler Oani comme ça, ou alors avec un Y. Bref, hein. Mais en fait, quand vous demandez l'aide au public, il va falloir le signaler à la fin de l'épisode. Que vous signalez, que vous voulez, que vous utilisez votre joker d'aide au public. Ok, ta mère. Parce que du coup, vous serez obligé de choisir la personne pour le prochain épisode. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Donc, à la fin de l'épisode, vous êtes obligé de le dire. Une question. Oui. C'est en dehors de. Je vais prendre celle-là, je crois. C'est pendant les épisodes. Qui viennent t'aider? Ouais. Pendant l'épisode. Ils seront en vocal à Je suis perdue avec ma carte. Ok.
Alors parce que j'ai une carte, elle est bien. Ma ville s'appelle Oani. Voilà. J'ai une carte, elle est bien, mais elle est bof en même temps, tu comprends. Et le troisième joker, c'est qu'à tout moment, vous pouvez... Ok, ta mère, oh, tu me réponds quoi? Mais vas-y, attends une minute là, je finis le joker. Déjà, j'étais perdue. J'étais perdue pour faire mes explications, alors je refuse. Finir, Voilà, et donc du coup, le troisième joker, c'est qu'à tout moment, vous pouvez décider de mettre un malus à la personne de votre choix. Donc c'est-à-dire, moi je suis Fluffy, je décide de mettre un malus à Anna, genre elle a pas le droit de faire, de poser de projet public pendant son épisode, ou elle a pas le droit de faire machin, mais vous avez le droit que de faire une fois ça. N'importe quel malus, vous inventez un malus pour la personne. C'est juste pour Anna va tellement profiter. C'est pas gentil, je vais me venger sur toi, Fluffy. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Moi, je regarde mes cartes, personnellement. Elles sont plutôt... Et on a oublié le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, certes, on fait une ville... On fait une ville... Enfin, on fait un truc à trois, une aventure à trois sur un défi de l'été, etc., etc. Mais le thème, c'est... Gilbert Montagnier, tropique. Pour ceux qui se souviennent de l'indice que j'avais dit pendant un live. Sous le soleil des tropiques, il y a quelque chose de magique. On a toute la vie pour s'aimer. Voilà le thème, de la ville. Hein. Moi, je suis déjà dans ma ville. Ah, ok, d'accord. Mais t'as pas le time en fait. Moi, ça fait... Non, mais j'ai trouvé une carte, elle était parfaite. Ça fait exactement 6 minutes que je suis en train de choisir ma carte. J'ai fait ici sans faire exprès. Bah, j'ai tant fait pis, ici, bien fait. Tu aurais dû prendre cette carte là. Tant pis, bim, bien fait. D'où? D'où? Mais d'où? Mais non, mais. T'as qui? Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai fait exprès de très tôt choisir la tête du personnage de départ. Le problème, c'est que j'avais pas la bonne réponse, enfin sur Google, c'était pas les bonnes réponses apparemment. Vous êtes au courant que je viens de foirer ma carte, que je sais même pas la carte que j'ai prise? Bien fait. Bien fait, ouais. Bien fait, vraiment bien fait, parce que voilà, hein. Ça c'est pour se venger parce que j'ai mis des défis. Voilà. Bah attends, y'a encore les malus qui va arriver là. Ah bah même que d'abord c'est vrai, ok. J'espère que la carte est pas trop mal. Ah j'espère que ta ville elle est moche. J'espère qu'elle a plein de lacs, des maisons partout devant la mairie, devant partout. J'espère que tu vas galérer. Ah oui, et aussi une petite chose, c'est qu'en fait cette série n'est pas du tout là pour être sérieuse, hein. Oh oui, ouais, s'il vous plaît. Hein. Bien que le nom de ma ville, c'est une grosse blague. Cette série est juste là. Tu l'as appelée comment? Pour être cool. Ah bah justement, j'ai pas envie de le dire. Le nom de sa ville, c'est un vieux jeu de mots avec Icy. Voilà. Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu l'as dit? C'est une blague là, les habitants que j'ai. Mais c'est quoi cette merde? Attends, j'ai qui? J'ai Manfred. À part Rena. À part Rena que j'aime bien. Pourquoi j'ai un mouton jaune? Et j'ai un lion avec des lunettes au soleil. Ah mais du coup le lion il peut rester avec les lunettes au soleil, il va bien dans le thème. Au moins, t'as pas pris une carte au hasard, ok? Ah si, mais ça va, j'ai les bons yeux par contre. Non, j'ai des oranges. Ça va pas du tout. Donc voilà, cette série n'est pas du tout là pour être sérieuse, elle est faite sous l'emblème de la bonne humeur, et donc du coup, bah... Déjà les rochers, je les aime pas, déjà le fruit, je les aime pas. J'ai un singe. Moi j'ai un lion avec des lunettes de soleil, du coup il va super bien dans le thème. Moi j'ai un gars avec une armure, ça suffit. Il s'appelle Léonard, il a des lunettes de soleil et un t-shirt avec des soleils dessus. C'est trop bien, tu vas rester là toi, même si je t'aime pas. Rena elle va rester là. Moi je sais pas comment il s'appelle, mais le singe, mais il est trop bien dans mon thème. Est-ce que t'as un singe tout brun? Moi j'ai la grenouille que t'aimes bien, Fluffy, que t'as dit qu'elle était mignonne. Ouais, Rena elle est trop mignonne. Est-ce que t'as un singe tout brun? Parce que moi j'en ai un là, il est trop moche. Mais genre le gars il a la bouche à babouche. Attendez, mais je suis trop contente. Elle me donne la carte de la ville. Oh my god, non! Bien fait. Oh le mouton jaune il est beau aussi finalement. Oh je suis contente, mais... Oh bah tous mes habitants pour l'instant ils restent. Hein. Non mais moi j'ai que Camille qui est pas trop mal. Oh par contre j'ai Gogo. J'ai Mike et Gogo, je sais pas c'est qui eux. Maïs et Gogo, vous êtes qui? Comment Gogo, je crois que c'est un... Attends. Comment voulez-vous que je compose avec cette carte de ville, hein? T'as fait de la merde? Eh ben, je suis contente pour toi. Voilà, bim. Moi, je crois que j'ai une carte, bah, elle est... Moi, j'adore. Bon, on va à la ville. Oh, on va à la ville, à la mairie. Bon,
Juste sachez les gens, quand je dis que c'est bien fait pour elle, c'est pour rire, hein. Le prenez pas au sérieux. Et en plus, j'ai des pommes. Bien fait. Oh, bim. Échange, j'ai des oranges. Attends, je vais vous dire le fruit que j'ai. Mais viens, viens, échange. Je t'envoie ma carte, je t'envoie la tienne. Par contre, les meufs, on va galérer pour les projets. Viens. Non, on ne parle pas de ça. Oh, non. Et la cote de confiance. Oh, et la machine à... Oh, la cote de confiance, on l'a fait hors vidéo. Pourquoi je joue encore à CNL? J'ai déjà prévu le coup. Pourquoi j'arrête pas de suite? Je tiens à dire que j'ai fait l'effort que mes prénoms, ils ont un rapport avec l'été. En fait, ah, moi non. Moi, je me suis fait en mode belle écoute. Je me suis appelée... Ouais, moi, je me suis appelée Anna aussi. Bon, je vous remercie Nini pour Loana. Oh, Pantiti, t'es ma copine. J'ai des oranges aussi. Oh oui! Mais non, mais sérieux, mais pourquoi? Pourquoi je suis en F, Luffy, j'ai un lion, je te jure, il a des lunettes au soleil, il va trop bien dans le thème. Mais pourquoi moi je suis la seule qui compose avec une carte pourrie que j'ai choisie sans faire exprès et qui en plus est des pommes? Mais F, Luffy, merde, faut pas croire, hein. Ma carte elle est vraiment merdique, mais vraiment. Attends, regarde, il y a pas. Non, il est ouvert, donc j'y suis là. Sous les soleils du tropique. J'ai genre le malheur que mes rochers, rien qu'au premier coup d'œil, ils sont mal placés. Oh donc, ouais. Moi, je sais pas comment je vais rush cette ville. Eh, par contre, vous allez être mes fournisseurs officiels, hein. Parce que vous avez, vous avez plus d'amis que moi, du coup, vous allez me fournir des boissons. Mais non, mais attendez, mais s'il vous plaît, mais c'est quoi cette carte de ville de... Pendant que Anna et Fluffy rage, moi je suis bien posée. Eh, mais moi je rage pas. Moi je rage pas, j'ai un lion avec des lunettes de soleil, je suis contente. J'ai Reyna. Oh, toi aussi? Sérieuse? Coucou. C'est une blague. Mais c'est qui Annie? J'ai Annie. T'as combien de likes? Histoire de voir si on est copines ou pas. J'ai 4 likes. J'ai 4 likes qui sont tous à côté. J'ai 4 likes, moi j'en ai 1, 2. J'en ai 2 likes. 2, 3, 3, 3 likes. J'ai un like. J'ai un like et la place publique elle est bien placée. Et par contre, dis-moi pas que t'as le lion avec une lunette de soleil, parce que là, c'est... Pourquoi on l'a invité, elle? Quoi? Pourquoi on l'a invité, elle, pour faire la saison 2? Moi? Ouais. Ah, Panty, je sais pas. Ouais, mais Anna, tu m'aimes ou pas? Panty, t'es qui? Sérieuse? Ouais, vas-y. T'es sérieuse, hein? Je vous rassure. Mais non! Mais non, t'aimes ma Pantiti! Mais non, mais c'est juste que tu vois, t'as la carte parfaite, t'as les habitants parfaits, t'as la place parfaite. MD bon, mais moi aussi j'ai les habitants parfaits, j'ai un lion avec des lunettes de soleil, meuf. Attends, Fluffy, pour ce thème. J'ai des habitants parfaits, mais j'ai un singe avec tête de moutarde. C'est moi avec mon masque quand je t'ai envoyé la photo. Oh oui. Attendez, parce que du coup il faut que je choisisse l'endroit où je mets ma maison, sauf que lol. Tada! C'est le seul endroit où j'ai posé une maison. Ah oui, la chose qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'en fait, on va vous montrer trois exemples de villes tropiques. Hein. Ah oui, ouais. Ouais, différentes. Pour que vous puissiez vous inspirer dans la limite raisonnable des choses. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes choses là pour cette série. Voilà, tout le monde n'a pas la même chose. C'est-à-dire que moi, ça va être une ville faite exclusivement de palmiers. À quelques exceptions près, bien évidemment. Pandinouze, c'est un fourre-tout. Et un peu de tout, quoi. Elle fait comme elle veut. En fait. Elle m'a dit démerde-toi. Et non, Anna... honnêtement, elle m'a dit démerde-toi. C'est vrai, elle lui a dit démerde-toi. Anna, par contre, elle vous présentera une ville sans palmier. Voilà, moi, c'est une ville normale. C'est une ville normale que tout le monde peut faire. Voilà, la petite originalité. Attendez, parce que du coup, j'essaye de placer ma maison. Sauf j'ai dit oui. Oh non, mais je me suis trompée. Oh merde, pardon. Tu as accepté ce sinon, je n'accepte pas. Marie, je ne t'aime pas et je t'aimerai jamais. Non, j'ai pas dit. Fluffy, d'ailleurs, sur cette cartouche, il y avait une ville, je te l'ai dit. Oui, je sais que tu m'as dit, oui, il y avait une ville sur cette cartouche. Elle s'appelait, attends, elle s'appelait La La Land. Et ça faisait genre 4 ans que la meuf elle avait, j'ai même pu me taper la cérémonie. Et elle avait rien foutu dans sa ville. Il y avait rien de fait, vraiment. OMG. C'était la catastrophe. Du coup j'ai placé ma maison aussi. Je sais ce que je vais faire devant ma maison. Je vais faire un chemin de buisson. Je déteste placer ma maison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un éléphant. J'ai un éléphant habillé en vert. Oh, la classe.
Non, mais arrête, c'est beau. Pourquoi ici. Bon, ben, j'ai que 3 habitants qui vont rester dans ma ville. Les autres, ils vont dégager. Ah, ok, ok. En fait, je crois que j'ai posé ma maison là-bas. RT, si c'est triste. RT. Ok, merci. Tu verrais franchement ma carte, Anna, tu pleurerais pour moi. Mais tu verrais la mienne, elle est pas glorieuse non plus, hein, je t'assure. Vous verrez la mienne, belle, vous allez me détester. Moi, je suis juste contente, franchement, la seule chose que je suis contente, c'est que j'ai les oranges et j'ai les 3 habitants qui sont vraiment bien pour le thème de l'été. Mais les 2 autres habitants, ils sont pas ouf. Oh non. Je place pas ma maison là. Oh, mais je déteste placer ma maison, c'est une blague. Oh là. Ok, bah allez. Ah bah c'était son premier choix en fait. Le problème c'est que moi j'ai eu une énorme partie de ville où tu sais pas quoi faire. RT6 est triste. Oh là là. Mais à cette heure-ci, en plus, dans le choix de mes cartes, à cette heure-ci j'avais la ville parfaite, tu vois. Bah non. Pourquoi j'ai marqué ici? Tu peux mettre sans sauvegarder pour cela, plus sur ça. Moi j'ai fini, hein, j'ai plus rien à faire. Hein. Pas c'est bon, je la pose là et puis. Hein. Attends, moi je vais aller me chercher une pelle. Je vais aller vendre des pour aller me chercher une pelle. Attendez, du coup je suis née le 8 avril pour ceux qui ne le savent pas. Eh, hey, j'aime trop mon lion avec des lunettes de soleil, t'es tombé parfait, gars. Mais moi je. C'est là qu'il va partir, moi, je trouve que. Ah non, hors de question. Mais sinon, j'espère que vous n'aurez pas trop de chaud, pas comme nous quoi. Là, j'ai la copine de Brandy Pig, pour ceux qui savent. Réna, coucou Réna, je t'ai emporté. Ok. Oh merde, je lui ai dit on en reste là. Bon ben rip, désolé, j'ai aucun respect. Oh mais ça va, je l'ai. Ah si, je l'ai placé dégueu. Hein. Oh, j'ai un mouton jaune comme le soleil. Je me ferai un petit jardin derrière, c'est pas grave. Moi je me ferai un petit jardin devant. Moi je ferai un petit jardin derrière parce que là. Ouais, après j'ai qu'une plage, hein. C'est. Moi j'en ai 2. Ça va, je suis contente parce que d'habitude j'en ai qu'une avec un morceau. Attendez, je crois que Annie, c'est la vache. Annie. Enfin, il y a une vache qui s'appelle Annie déjà. Bah je crois que c'est la vache. Parce que lui c'est Rudy, là c'est Réna. Là c'est le Anna, chat. C'est le chien. Chat, je sais plus. Non, elle a Réna comme moi, la grenouille. Ouais, la grenouille qui est trop mignonne. Hein. Elle est trop belle, celle-là je l'ai en porte-clés, je l'avais achetée. Ouais, c'est la seule grenouille qui est trop bien. Chez la meuf là qui fait des porte-clés. Enfin, à mon goût. Ouais, à notre belle ville d'Oani. Oani. Oana. Ni na 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 na. Parfait. Oani, Asti et Wavi. Ça va faire genre ma ville. Quoi? J'avais même pas pensé à ça quand j'ai mis le nom de ma ville, Oana. Oana, mais tu as vraiment pas pensé parce que c'est le premier truc qui m'est venu à la tête, moi. Mais non! J'aurais dû mettre Oana! La meuf, elle aurait dû changer de carte, elle aurait dû changer de nom! C'est quoi le nom de votre mère du coup, vous? Je suis dégoûtée. Anna. T'as cru que déjà j'avais pas d'idée pour la longue, t'as cru que j'allais me casser la tête pour un personnage. Moi je me suis cassé la tête, hein! C'est quoi? Moi c'est Loana. C'est fleur de l'été en polynésien. C'est Nini qui l'a dit. Oui. Elle est partie loin. Et Aesti? Non, et Aesti. En fait, c'est Aesti. Aesti. Attends, ta ville elle s'appelle comment? Attends, ta ville elle s'appelle comment? Non, attends. Non, en fait, ça s'écrit A-E-S-T-Y et ça se prononce Aesti. Ouais, j'aurais pu appeler la mène Wistiti. Pardon. Wistiti! C'est ce que je voulais dire, mais du coup, Aesti c'est Aesti en latin, et ça veut dire été, voilà. On aurait pu faire tous un jeu de mots avec nos noms de ville en fait, vous avez pas prévenu. Vous avez fait ça dans mon dos, c'est ça. Vous aurez pas prévenu. Rien, non. C'est quoi cette carte pourrie? Ah, mais j'ai un gros nounours. Moi j'ai un éléphant avec. J'ai un chien qui monte ses fesses. Vous avez tout cassé votre arbre? Oui. Ouais. Là, je suis en train de le placer. Je suis déjà à 19 minutes d'enregistrement en fait. Ouais, moi aussi. Mais normal, on a commencé en même temps. Hein. Mais j'ai un singe qui monte ses fesses, c'est pas normal. Il se passe des choses étranges. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai un ours polaire dans une ville. Calme, ça va faire que j'arrive. Même si t'es moi, j'ai des habitants pas trop mal. Rudy, il est trop mignon. Par contre, j'ai une souris verte. Moi, ça va aussi. Ça va pas du tout. Une souris verte. Qui court la l'herbe. Qui l'attrape par la queue. Qui l'attrape par la queue. Excusez-nous.
Oh là là. Excusez-moi. Non, pardon. Il fallait que je la fasse. Par contre, j'ai envie de vous dire, vous savez le Gustave là, le gros singe brun tout moche. Il a une paire de fesses, ouais. Genre elle est voyante. Bah la mienne aussi elle est voyante, go. Attends, faut qu'il se tourne. Tourne-toi. Bah il tourne dans l'autre sens, débilo. Ah, mais je peux me prendre des gâteaux de la chance. Bah tiens, je vais test. Attends, je vais chercher des oranges. De toute manière, on va s'arrêter là parce que ça fait 20 minutes qu'on tourne. Bah moi j'ai fini hein. Là voilà. je fais juste ma... J'ai posé mon arbre, je cherche juste des oranges. Je me balade juste en fait. Je vous rappelle les filles que pour la j'ai fois, pas de pièce de jeu. Il faut avoir la cote de confiance de fête. Hein. Oui. Quand, au prochain épisode, c'est quand qu'on poste du coup, enfin que tu postes. Je sais pas. Ok, bah faudra nous prévenir. J'ai passé mes nuits blanches à faire ça, sérieux. Donc voilà. Voilà. Oui, on vous aime fort. Bon bah écoutez, du coup, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit bye bye. Ciao.